Deux dirigeants des principales associations indépendantistes de Catalogne ont été placés en détention lundi soir près de Madrid, sur ordre d'un juge d'instruction. Inculpés pour sédition, ils sont soupçonnés d'avoir encouragé des manifestants à bloquer la sortie d'un bâtiment où des gardes civils menaient des perquisitions en lien avec le référendum. C'est un acte qui ne répond à aucun principe judiciaire. C'est une action qui a pour but de nous faire peur, de nous punir, pour avoir défendu la liberté, a enregistré l'un d'entre eux avant son arrestation. Le chef de l'exécutif catalan, Carles Puigdemont, a réagi sur Twitter, déplorant une très mauvaise nouvelle, ne rendant que plus forte la nécessité de liberté. Ces détentions ont été accueillies par un concert de casseroles à Barcelone et dans toute la Catalogne. Les associations visées sont les fers de lance de l'indépendantisme catalan. Elles disposent d'une très forte capacité de mobilisation, ce qui laisse présager des tensions dans les prochains jours, alors que l'ultimatum de Madrid au gouvernement catalan prend fin ce jeudi.